Yo. Allo. Je suis en face de Recul, là, je t'attends là. C'est pas chaud de le ramener, comme ça je le monte à la cam et tout. Là je suis en train de filmer en plus, vas-y. Ok, vas-y, attends. J'ai rendez-vous avec Soyboy. Pour ceux qui connaissent pas Soyboy, c'est mon frérot. C'est aussi optionnellement le mec le plus sec de Paris, je crois. Et là le projet, ça va être de faire une séance épaule avec lui. Je vous avoue, genre, c'est la seule séance qu'on peut faire ensemble parce qu'on n'a pas du tout le même split. Lui comme moi, on est des égoïstes et on veut pas changer notre routine l'un pour l'autre. Donc là, on va s'entraîner au Fitness Park République. Donc pour ceux qui sont déjà entraînés à Paris, vous savez que Fitness Park République, c'est vraiment pas le best en termes de machines et tout. Mais par contre, c'est ouvert 24h sur 24, tu vois. Et Soyboy, lui, il travaille de nuit, donc ça l'arrange bien, tu vois. T'as vu avant de recruter, frérot? Je vous laisse admirer. Mais il faut dire que ces années, elle a gagné avec le Barça. Le problème du projet, moi je veux dire du projet de 3 ans. Ça va pas. Petit update. Finalement, c'est calé à The Coffee, meilleur coffee shop de Paris. Ouais. Soyboy, il a pris un cold brew parce qu'il a dormi 6h hier, il est sorti et vas-y, il a besoin de caféine pour encaisser la séance. J'aurais bien pris un matcha parce qu'ils sont incroyables, Soyboy il m'a rendu accro à ce truc. Le seul inconvénient, c'est que ça coûte 5 balles et cake, donc tu deviens super pauvre juste en buvant du thé, c'est tu ça. Vois. C'est à la fin du mois, t'es à 500 balles quoi. Si t'as un budget de 500 balles à mettre dans du thé, franchement, prends-en tous les jours, franchement c'est cool. J'avais dit que Soyboy il avait ramené le stack anti-séance de merde. C'est ça. Donc c'est juste là dans ce sac, on dirait un truc de charclos. Mais en vrai, il y a du sale dedans. Donc voilà, glycérol, muscle pump, cold brew. Je prends ça avec un cold brew, c'est... Tu peux dormir, tu peux faire nuit blanche, ça peut bien se passer. Exactement, tu vois. Genre, des fois, on fait ça, on fait des nuits de merde, mais tu prends un muscle pump et tout, et finalement, tu fais une bonne séance. Ouais, donc, SO Nutrimuscle. Je vous avoue, je suis un gratteur, je vais gratter un peu son cold brew. Tu sais que le cold brew, comme tu disais, alors c'est le truc, ça me défonce encore plus qu'une Monster. Tu sais, à chaque fois que j'en prends, après t'es inconscient, tu commences à trembler et tu parles super vite. Et d'ailleurs, ça j'avais entendu, c'est un pote à moi, il travaille sur les plateaux télé. Et tu sais, dans les plateaux télé où les gens, enfin ils se font interviewer, ils essayent de créer du buzz, ils leur donnent full caféine, Red Bull, tu sais, avant de passer. Comme ça, tu dis full dinguerie à la caméra et après tu peux les cliquer sur Twitter. Ouais, ça rend inconscient en fait. Là, tu prends un café Richard en brasserie. Je te jure qu'après, gros, tu prends un double expresso, t'es bizarre. Genre, t'as l'impression que ton estomac il va te canner et tout. Genre. Vous avez compris, faites pas les crevards sur la caféine. Ouais, c'est important. S'il y a un truc qu'on s'est fixé comme objectif avec Soyboy en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'optimiser nos niveaux de dopamine. Donc on a cut la musique, enfin on a essayé de cut la musique. Et la caféine, on essaye de pas trop abuser. Bon voilà, là c'est exceptionnel, hein. c'est grosse séance. Ouais, idéalement, ce qu'on s'était dit hier, c'était si t'arrives à garder la musique que pour tes trainings, et la caféine pareil, ouais. Au final, t'apprécies beaucoup plus la musique. La dernière fois, on était parti à un festival, je mettrai des vidéos d'ailleurs. Alors, on n'avait pas écouté de musique de la journée. Et du coup, quand t'arrives, t'entends la musique, c'est le premier son que t'entends de la journée un peu. Bah tu kiffes 10 fois ouais, plus, tu vois. Ouf. Alors que si t'as spamé SoundCloud toute la journée, dès le matin, avec ton café, que t'es inconscient, tu vas arriver à la soirée, ça va pas te stimuler, tu vois. Ouais, ça te stimule pas, alors c'est ouf. Ouais. Donc, Belek, la musique. Et yo. Bon, là, je vais m'activer parce que sinon, on allait rester main dans le falzar avec le cold brew pendant 4 heures. Je le connais avec Paul. Je t'avoue, j'ai du mal à me réveiller. J'essaie de pas m'en foutre partout. Tu prends une full scoop? En fait, elle fait flipper. Genre là, on dirait pas en vidéo, mais le truc il est gigantesque. T'as l'impression que tu vas t'étouffer avec. Et respire pas en même temps que tu la prends, sinon ça va te. Il m'est arrivé une dinguerie une fois, j'ai failli m'étouffer comme ça. Ok, je vais faire full direct, mais à chaque fois que je fais ça, je m'en fous partout, mec. J'ai passé pour un trou de balle. S'il y a une meuf qui nous regarde. Naturel? Ouais, naturel. Ouais. Là, c'est à 3 petites coups de glycérol et t'es god. Je m'en suis foutu un peu partout. C'est qu'en plus, ouais. 3 petites coups de glycérol. Tu sais que j'ai un palpitant, mec, c'est en train de m'exciter ce truc. Du coup, c'est qu'il n'y a pas de caféine dans le muscle up. Elle est où la scoop de glycérol, gros? Ouais, faut la trouver, gros. Voilà. C'est vraiment de la drogue, ce truc. De ouf. C'est un petit goût un peu sucré, tu verras, c'est pas mal. Parce qu'il y a glycérol en vrai mec, il y en a masse, hein, tu peux le garder, ça se garde 6 mois avant ce truc. Déjà le nom je trouve il est trop chelou genre. Ouais, de ouf.
tu sais, quand les gens qui connaissent pas trop la muscu, ils demandent ouais, tu prends quoi, t'as comme complément? Tu leur dis ouais, bah glycérol, muscle pump. Ils doivent se dire c'est quoi ce arginine, créatine. Il a les doigts pleins de coke là. J'ai les doigts pleins de coke. Je commence à plus savoir parler parce que j'ai la caféine qui monte. Croisé berger australien avec un. Trop chelou, putain. Sa scoop était beaucoup plus fluide que la mienne. Ah ouais, d'ailleurs, cette eau là, la Monroku là, c'est la meilleure eau du monde. Ouais, c'est la best. Soyez pas des crevards aussi sur l'eau. Pas de l'eau. Ouais. Buvez pas d'eau du robinet les mecs. Hein. C'est plein de bactéries, c'est vraiment de la merde. Super, même le goût qui en est paré, c'est nice. En vrai, je fais le mec, mais le goût il est pas. Moi je trouve il est pas si dégueu que ça, genre. Non, ça passe de ouf. Si, ça passe de ouf, tu vois. Bah, glycérol en vrai, c'est un petit goût sucré, donc c'est pas mal. Ouais. Et Muscle Pump Yuzu, je pense que c'est pas le best, mais j'ai pris celui qui restait. Celui de Lucas, je crois, il est nature. Après, tu t'en branles, hein, ça va. On s'en fout de toute façon du goût. En vrai, aussi, faut savoir, Soy Boy, tu vois, il est sur la clé bar diet. Mais. Riton. Moi, il est plus sec que moi. Faut savoir aussi que Soy Boy, il a un taf où il marche 30 000 pas par jour. Et c'est depuis ce moment-là qu'il est devenu chelou. Ouais, alors. De ouf. Je bosse dans un bar, donc tu cavales comme un porc. Et derrière, tu marches beaucoup. En fait, si tu manges bien, t'es obligé de sécher, genre. C'est abusé. Ouais, donc barman, c'est le cheat code pour être shredded. Oui, de ouf. Parce que 30 000 pas par jour, pour être en surplus, franchement, faut tryhard, tu vois. Bon, là, en direction Fitness Park République. Avec Soy Boy, on a des dégaines de gitan un peu. Genre lui il est en Sergio Tacchini TN, moi je suis en Nike TN dégueulasse. Pour me rappeler pourquoi je m'entraînais plus ici, c'est qu'en fait c'est beaucoup trop le bordel, il y a du monde H24. Bon là on va faire la séance de Soy Boy. Il aime bien commencer par des élévations latérales à la machine. Donc c'est ce qu'on va faire. Après la première série, je me sens archi faible. On est un peu pressé par le temps, donc on a rushé les temps de repos. Je me suis quasi pas chauffé. Et honnêtement, le but c'est juste d'avoir un putain de pump. Ouais, c'est bon. On s'est bien flégon là. Ouais, de ouf. Séance épaulée avec Soy Boy. Ressenti, c'était incroyable parce qu'on a fait que de semi-rin et. En vrai, on avait une bonne congestion et tout, c'était cool. Ouais. Et même, ça faisait longtemps que j'avais pas partagé une séance avec Soy Boy. Donc de ouf, ça fait plaisir. De ouf. Là, on va vous montrer le post-workout. Donc, la tradition chez nous, c'est Master Poulet. J'avoue, en ce moment, on est un peu en mode infidélité envers le Master Poulet. Ouais, on a découvert on a un nouveau. Une version Master Poulet, mais une meilleure option, tu vois. C'est le même prix. Et tu peux poser ton cul. Tu peux poser ton cul en fait, c'est ça. T'es pas obligé de faire le troubadour à McDo. Bon, par contre, SO Nutrimuscle, j'avoue, j'étais éclaté avant la séance. J'avais bouffé un seul repas. Genre, littéralement, j'ai un pancake dans le bide, il est 17h. Ouais. J'aurais dû être flat, mais j'ai l'impression le muscle pump et glycérol, ça calme. Ah, c'est une dinguerie. C'est en fait, t'as des picotements dans la gueule, t'as une congestion trop chelou, mec. En vrai, c'est une dinguerie. C'est moi, ouais, tu vois, au début, je croyais pas trop au pré-workout. Moi, je suis vraiment un crevard, tu vois, des compléments. Et là, le fait d'en avoir fait pendant longtemps du muscle pump, d'avoir arrêté, d'avoir repris, en vrai ça a rien à voir, tu vois. Là j'ai un pump de ouf,
Alors qu'en vrai la séance on l'a bâclé tu vois. Mais on l'a franchement bâclé. Et gros j'ai la redescente du muscle pump. Ouais moi aussi gros si je pense des bizarres. Je pense des gros, je suis en piqué la vie. Oh merci. Je vais te faire une queue. Parfait ouais, c'est magnifique. Yo yo yo. Post workout meal. Donc là c'est mon deuxième repas, il est 17h30 je crois. Toujours avec Soy Boy. On est tous les deux exposés de la séance même si elle n'était pas hyper taxante. Et c'est surtout j'ai perdu grave d'énergie à poser moi. Ouais donc t'as taf hein. Ouais. Par contre là je voulais vous partager un des meilleurs plans de Paris. Donc s'il y a un conseil que je peux vous donner pour votre portefeuille et votre shape, c'est dépenser 0 centime au McDo ou dans ce genre de merde. Bah, c'est des meilleures options, que ce soit pour votre shape ou même économiquement tu vois. Genre ça les vite c'est 6,50 tu vois. Et t'as, t'as 200 grammes de poulet, je sais pas t'as combien de riz, c'est énorme. Ah tu peux avoir 100 grammes de riz pesé cru peut-être. Ouais. Moi je suis un clébard, Soy Boy lui il a un meilleur palais que moi, il va vous donner une note. Combien sur 10 ? 8. 8 sur 10 ? Ouais 8 sur 10 ouais. Moi j'étais à 12 sur 10 mais ouais, non, il n'y a pas de meilleur feeling que de faire une séance et d'aller direct manger du poulet comme ça là. C'est posé dehors et tout, tu te prends pas la tête à un chef.